Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir des munitions en illimité et des plaques d'armure en illimité dans le mode DMZ. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra soit une boîte d'armure ou soit des munitions que vous voulez dupliquer. Ça fonctionne aussi avec le système trophy, je vais essayer de vous montrer ça. Et il vous faudra aussi, donc ça je vais le lâcher. Donc il vous faudra un drone de reconnaissance, un système trophy ou d'autres objets qui s'activent avec le bouton L2 R2. Donc là regardez, j'ai les trois objets. Donc moi je vais vous montrer avec les plaques d'armure. Donc je vais déposer mes plaques d'armure ici, voilà, comme ça j'en ai plus sur moi. Ce que vous allez devoir faire, c'est de vous équiper de la plaque d'armure ou de la boîte de munitions. Donc là, moi je m'équipe de la boîte d'armure, Ensuite, les deux autres objets, vous les mettez dans votre sac à dos. Là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans votre sac à dos, vous lâchez votre boîte d'armure en appuyant sur X. Ensuite, vous vous équipez du drone de reconnaissance ou du système trophy, peu importe. Hop, vous équipez et là vous lâchez l'autre en question. Donc moi je vais lâcher le drone de reconnaissance. Ensuite regardez, je vais lancer mon système trophy, mais ça va être la boîte d'armure en fait. Donc là j'ai dupliqué la boîte d'armure. Donc là ce que je fais, c'est que regardez, hop, je reprends mes armures. Là vous pouvez voir que j'ai trois plaques d'armure sur moi. Là je récupère ma boîte d'armure, hop, et je l'ai toujours sur moi. Donc je peux le refaire en illimité. Regardez, je vais recommencer. Donc, hop, je prends ça dans mon inventaire, je lâche ma plaque d'armure, non je la lâche plutôt, je suis trompé, je la lâche, je prends le système trophy, je me l'équipe et je lâche le drone de reconnaissance, je lance mon système trophy et ça lance la boîte d'armure. Donc hop, je me rééquipe de plaques, ça m'a rempli mon inventaire de plaques, je récupère ma boîte d'armure. Là, je vais refaire la même chose, sauf que je vais vous montrer que ça fonctionne avec le système trophy. Après, ça fonctionne aussi avec une boîte de munitions, bien entendu. Hein. Mais ça fonctionne aussi avec le système trophy. Donc, hop, je vais d'abord vider mon inventaire. Tac, tac. Hop. Voilà. Ça, je mets dans mon inventaire. Voilà. Là, je vais tout simplement lâcher mon système trophy. Donc, hop, je le lâche. Ensuite, je vais sur ma boîte d'armure, je me l'équipe. Et je lâche le drone de reconnaissance. Ensuite, je lance ma boîte d'armure et vous avez vu, ça lance le drone de le système trophy. Et voilà, vous pouvez faire ça avec le système trophy, avec les munitions et avec les boîtes d'armure.